On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un encan qui va se tenir au musée du Haut-Richelieu. C'est d'ailleurs au profit de l'organisme. C'est le dimanche 18 octobre. Il va y avoir à peu près 250 objets qui seront disponibles. On peut les voir à partir de 11 h le matin, puis à 13 h 30, c'est le début de l'encan. Mais d'abord, parlons de Zoom sur mon patrimoine, qui en sera à sa 8e édition. C'est un concours de photographie amateur, mais quasi semi-professionnel. Il y a aussi des étudiants du cégep ou de la commission scolaire, primaire, secondaire, qui participent parfois aussi à ce projet-là. Bref, c'est super intéressant. Il y a aussi une autre activité, le Patribus. Bref, on en parle à l'instant avec deux de nos invités. Zoom sur mon patrimoine, nouvelle édition. Deux invités pour en parler. D'abord, France Bourassa, qui est directrice générale du musée du Haut-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir, Éric. De même que Nadine Mercier, qui représente Action Art Actuel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Zoom sur mon patrimoine, qu'est-ce que c'est en résumé? C'est un concours qui s'adresse principalement aux photographes? Bien, pas nécessairement. Et même plus? Bien, oui, parce que ça peut être des photographes qui en font régulièrement, mais ça peut être également monsieur, madame, tout le monde qui aime se promener avec son appareil ou même son cellulaire puis prendre capter des images qui juge intéressantes. Donc, oui, c'est un concours photo, mais c'est aussi une opportunité d'exposer. Donc, les gens ne nous envoient pas simplement leurs photos, ils nous les présentent pour que nous, on puisse à notre tour les présenter au public. Et par le biais de ce concours-là, les gens ont la possibilité de découvrir un aspect du patrimoine qui est la thématique annuelle, donc qui change chaque année. En fait. Ça existe depuis combien de temps? On en est à la 7e édition. 8e, mon Dieu, 8e édition déjà, on passe vite. Oui. Et il y a combien d'organismes qui sont associés à Zoom sur mon patrimoine? Cette année, on est trois organismes, Action Art Actuelle, le Musée du Haut-Richelieu, Artaud et la Ville aussi, qui est toujours un partenaire de réalisation. Bon, Nadine, si on parle un peu de l'évolution de Zoom sur mon patrimoine, parce que France faisait référence, là, les différents quelques exemples de thématiques qui ont été explorées dans les dernières années. Il y en a eu plusieurs. On a eu maisons anciennes, on a eu balcons et escaliers, les portes. Paysages érigés, la rouille. Il y en a toujours un qui nous manque. Oui, c'est ça, hein, on fait un récapitulatif. En fait, on essaie d'être un peu spécifique pour que les gens s'attardent à quelque chose de spécifique du patrimoine, pour que ce ne soit pas juste belle maison du patrimoine. Est-ce que ça a donné des belles surprises? Parce que parfois, on a des attentes, puis là, je ne sais pas quand... Quand les membres du jury commencent à regarder ça, est-ce que vous faites « Hey, wow, je ne m'attendais pas à ça, puis ça donne un résultat », je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des surprises? Bien, moi, je vous dirais que dans l'ensemble, ce qu'on nous présente est toujours surprenant, mais il y a des photographes, que ce soit amateurs ou un peu plus professionnels, qui nous arrivent des fois, je vous donne un exemple, l'an dernier, c'était grange et hangar, la thématique. On s'attendait à ce que le grand public nous envoie des photos de grange, essentiellement à l'extérieur et tout. Il y en a qui sont entrés à l'intérieur des granges et qui ont capté des images auxquelles qu'on ne s'attendait pas à voir et qui ont donné des résultats impressionnants et très intéressants. Donc, oui, les thématiques, ça peut être surprenant comment les gens les perçoivent. Et là, quelle est la thématique pour cette année? C'est « Lieux et espaces sacrés ». Donc, on s'attarde un peu plus aux religieux, si on veut, mais on ne voulait pas être trop restrictif non plus. Donc, ça peut être des croix de chemin, des églises, évidemment, des cimetières. Des fois, il y a des stèles de Sainte Vierge, des trucs comme ça. Donc, tout ce qui est un peu quelque chose de sacré, mais sans que ça soit limité seulement au catholicisme. Là, où, c'est très large, mais religieux quand même. Bon. Là, je ne veux pas être plate, mais il va falloir qu'on se dépêche un peu avant que les églises soient toutes démolies. Je ferme la parenthèse. Non, mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, en 2015, et peut-être pour les nouvelles générations, toute la signification à l'égard des lieux ou des espaces un peu plus sacrés, ça a une toute autre connotation. Hein? Aujourd'hui, on parle à des jeunes, qui connaissent peu ou pas la religion, qui n'ont peut-être même pas eu de cours de religion à l'école. Ils ne sont jamais entrés dans, rentrés dans une église. Ils ne savent même pas c'est quoi un curé, puis une messe, puis des funérailles. Non, mais c'est vrai. Pour nous, de notre génération, on l'a vécu peut-être sur le tard un peu. Donc, là, qu'est-ce que vous vous attendez? Là, tantôt, on parlait de statues, de cimetières, d'églises. Qu'est-ce que vous recherchez de particulier? Quand on a discuté de la thématique, on s'était dit, oui, on s'attend à avoir des églises, mais on aimerait ça que les gens aillent au-delà de ça. Et c'est ce qu'on veut faire découvrir aussi aux gens, aux photographes qui vont nous soumettre les photos, mais les gens qui vont venir visiter aussi. Donc, Nadine a mentionné tout à l'heure bien, des stèles, des cimetières. Donc, que les gens ne se gênent pas pour aller explorer d'autres éléments que ceux qui nous apparaissent les plus...
les plus rapidement à tête. Là. Donc, tu sais, on avait parlé des couvents, peut-être bon, rentrer dans des vieux couvents, des clochers. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus large que les églises et c'est beaucoup plus large, comme Nadine le disait, que le catholicisme aussi. On a quand même plusieurs religions sur le territoire, donc anglicane, baptiste, etc. Donc, on veut faire ressortir aussi cette diversité-là. C'est très riche dans la région, donc c'est une belle opportunité pour voir ça. Par les années passées, il pouvait y avoir à peu près combien de participants, participantes? À peu près? Ça dépend. En fait, on a toujours... le grand public, c'est à peu près une centaine de participants. Ouais. Quand même. On a un volet scolaire, donc il y a tout le temps trois, quatre groupes scolaires. Puis depuis l'année passée, il y a le volet cégep aussi, le volet collégial. Donc depuis l'an passé, là, il y a deux classes qui participent à chaque fois. Donc ça, c'est à peu près 70 étudiants. Ça. Donc je ne sais pas. Oh là là, ça peut aller jusqu'à 200-300 personnes. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Et là, comment ça fonctionne au niveau des inscriptions, les délais, la chronologie là, du calendrier? C'est quoi cette année? Pour le volet grand public, c'est ça. On a un cadre très spécifique qui est le concours. Donc, Nadine avait les dates. Oui, en fait, les gens peuvent déjà commencer à apporter leurs photos. C'est jusqu'au 6 décembre. 6 décembre. Oui, ils les apportent. Pour le volet grand public. Pour le volet grand public. Parce qu'en fait, les deux autres volets, c'est... on a des contacts directement. Avec le cégep et la commission scolaire. Exactement. Donc, c'est pour le volet grand public jusqu'au 6 décembre. Ils peuvent les apporter soit chez leur photo, soit chez Action Art Actuelle, soit chez Artaud. Bon. Puis, on les apporte quoi, sur des clés USB? Non, c'est imprimé. Il y a un format, absolument. Oui, il y a un format, c'est 8,5 par 12. Par 12. Donc, c'est un format établi, puisque dans le fond, nous, on accroche dans des cadres, donc tous les accrochages sont identiques. Là. Parce qu'après ça aussi, au terme du concours, résulte une forme d'exposition, là. Oui. Oui, tout à fait. Dans le fond, l'exposition commence le 21 janvier, se termine le 20 février. Donc, c'est au moment de cette exposition-là, dans le fond, qu'on dévoile les photos qui ont été retenues, parce qu'évidemment, on a des places, un espace limité pour accrocher. Et ce soir-là aussi, on remet les coups de cœur des députés, les prix de jury, les coups de cœur du public, donc aux personnes, en fait, qui auront été sélectionnées. Donc, c'est une soirée de remise de prix aussi le 21 janvier. Bon, il y avait également quoi, une nouvelle activité que vous appelez Patribus, qui est bientôt là, le samedi 17 octobre. Exact. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'autobus du patrimoine, d'où le Patribus. Donc, c'est une activité qui se veut une activité découverte des éléments justement religieux de la région. Donc, en compagnie d'un guide qui est Nicolas Paquet, que plusieurs personnes connaissent. Donc, les gens qui s'inscrivent partent et il y a 5-6 arrêts sur le territoire du Haut-Richelieu. Dans l'autobus aussi, je vais ajouter qu'il y a également une formation, un photographe qui accompagne donc pour aider les participants à saisir différents angles pour les photographies. Donc, pendant le trajet, les gens vont être invités à arrêter. On arrête notamment à Saint-Blaise, à l'église le Roussy Mémorial. On va arrêter à Noyant, au cimetière, à Saint-Alexandre, la Croix de Chemin. Donc, il y a plusieurs arrêts comme ça. Les gens vont passer 20 à 30 minutes à chaque arrêt. Ils vont se faire raconter l'histoire, en fait, de ces lieux-là. Et puis, ils vont pouvoir prendre leur photographie également. Donc, c'est une animation qui dure à peu près 3h30, de 9h à 12h30, et c'est complètement gratuit. Donc, c'est gratuit, mais je présume sur inscription? Sur inscription, évidemment, parce que les places sont limitées. On loue un autobus pour ça. Il faut s'inscrire par le billet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est notre collègue Sandrine, Sandrine Réaume qui s'occupe des inscriptions à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour Patribus. Exactement. Nouvelle activité, donc c'est très bientôt, donc samedi, le 17 octobre, de 9h à midi, donc avec tout le circuit. Oui, plus midi, 12h30, puis c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, tu sais, si c'est des enfants de 10-12 ans qui veulent se joindre à leurs parents, sont les bienvenus dans l'autobus. Dans le fond, prérequis, amener soit votre appareil photo, ou il y en a maintenant qui ont des cellulaires assez performants aussi. Ouais, c'est vrai. Ça peut être une option aussi, là, donc... Parce que après ça, si je reviens donc au concours grand public de Zoom sur mon patrimoine, donc où on demande aux gens d'arriver avec une photo imprimée dans un format, et là je présume qu'il y a comme des spectres qui sont déjà demandés là, sans rentrer trop dans la technique. Mais, donc c'est des photos quand même avec de fortes résolutions là.
avec d'une qualité quand même assez importante. Là. Oui, évidemment, mais ça, chez leurs photos, ils sont habitués de les faire imprimer, puis il n'y a pas de restriction tant que ça. Là. Tant que ça fonctionne bien sur un format 8,5 par 12, on n'a jamais eu de problème de mauvaise photo. Là. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? On dit lieu et espace sacré, mais... Est-ce qu'on ne voit que des lieux, que des espaces? Est-ce qu'on peut voir parfois la silhouette d'un être humain? Est-ce qu'il y a des restrictions, des trucs qu'on doit respecter? Bien, on est assez loose, là, oui, permissif. Ouais. Okay. Il faut que la thématique soit respectée, là. C'est sûr que si pour vous, un espace sacré, c'est la taverne du coin, ça ne fonctionnera pas, là. C'est sûr. T'sais, remarquez que pour d'autres personnes, peut-être que c'est le cas, mais ça, c'est si, votre affaire. Si vous, c'est ça, ouais, votre espace sacré, c'est correct, mais ça ne fait pas partie du concours. Donc, ouais, évidemment, il faut qu'on sente le patrimoine religieux et le patrimoine aussi, parce qu'en fait, c'est un peu ça l'objectif du concours aussi, d'amener les gens à regarder le patrimoine. Mais sinon, les Photoshop et tout ça, c'est permis. Ça peut être des photographies en noir et blanc. Oui. Ça peut être des photos d'équipe aussi. C'est arrivé des fois que des gens nous proposaient une photo à deux personnes. C'est pas un problème. Dans le fond, on limite à deux photos par personne ou par équipe, si on veut. Parce que Est-ce que les gens ont le droit de photoshopper ou comment? Oui, oui, ils ont le droit. Là. Absolument, ouais. Oui. Oui, oui, la transformation numérique est permise. Okay. Ultimement, donc, après ça, c'est le... Donc, tout le monde a les mêmes outils aujourd'hui, donc les chances sont égales, si on veut. Oui, exactement. Il y en a qui décident de ne pas retoucher, c'est très bien aussi. Puis, ce n'est pas nécessairement les photos qui sont retouchées qui sont sélectionnées pour recevoir un prix. Donc, tu sais, ça dépend. Il faut vraiment, comme Nadine disait, il faut sentir la thématique. Et on a un jury pour ça, qui justement quelqu'un de leurs photos généralement qui est là, puis bon, d'autres personnes qui ont fait partie, qui sont proches de l'organisation, donc qui vont évaluer ça. Est-ce qu'il y a des gens qui, depuis la première édition, participent toujours? Est-ce que vous avez vu même une certaine évolution dans leur... si on parle d'évolution professionnelle ou même amateur, là, dans le cas des photographes? Bien, je ne sais pas pour l'évolution, mais il y a des personnes qui participent à chaque année. Là. On reconnaît leur nom. Il y a même une dame qui a gagné deux années de suite. Ah, là. Une année, elle avait gagné le prix du jury, puis l'autre année, le prix coup de cœur. Donc, il y en a qui évidemment, participent d'une année à l'autre. Ça, c'est le fun, on aime ça. On est content. Ça veut dire que l'intérêt est toujours là, puis ça nous motive à continuer pour d'autres éditions. Donc... Non, mais les gens aujourd'hui ont des loisirs aussi intéressants. Les gens s'équipent. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu la démocratisation dans le monde de la photo. Oui, ça coûte des sous, mais on peut quand même s'équiper de façon assez convenable puis donner des produits super intéressants. C'est de plus en plus accessible. Ça devient un loisir. Exact, hein, absolument. Et avec les cellulaires aussi, on a des très, très beaux résultats, particulièrement pour le volet scolaire. Là, au début, quand on a commencé Zoom, notre défi, c'était de trouver une école avec des appareils photo. Mais maintenant, c'est plus grave. Là, les étudiants ont presque tous des cellulaires, puis ça fait un très beau résultat. Donc, en résumé, nouvelle activité Patribus, donc l'autobus du patrimoine, le 17 octobre, 9h à midi. Sur inscription, mais c'est gratuit. Par la suite, le concours grand public de Zoom sur mon patrimoine. Donc, vous pouvez donc aller porter vos photos jusqu'au 6 décembre. Et il y a bien sûr l'implication du Cégep et de quelques écoles de la commission scolaire dans le volet. Et suivra bien sûr une exposition du 21 janvier au 20 février. Ça va être à quel endroit l'exposition? C'est les trois lieux des partenaires. Donc, il va y avoir le volet collégial chez Action Art Actuelle, le volet scolaire chez Artaud. Et le volet grand public qui, cette année, exceptionnellement, normalement, c'est le musée qui reçoit. Par contre, on est en rénovation, donc on ne pouvait pas utiliser cette salle-là. Donc, on s'en va dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, l'hôtel de La Ville, qui est d'ailleurs un partenaire. Donc, c'était un choix logique et ça permet de garder le circuit. Les gens arrêtaient au musée, chez Artaud, chez Action, donc ça facilite. Et j'ai vu aujourd'hui donc que tous les détails étaient aussi sur maculture.ca. Mm-hmm. C'est un lien assez direct pour obtenir les renseignements sur Zoom sur mon patrimoine. Exact. À vous deux, merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un encan qui va se tenir le dimanche 18 octobre au musée du Haut-Richelieu. We'll be right back.
Dimanche, le 18 octobre, au musée du Richelieu, présentation d'un encant. Pour en parler, l'encanteur lui-même, Mario Wilson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on va encanter cette fois-ci? Ah, moutarde. J'ai l'impression qu'on va avoir du stock plus intéressant qu'au mois de mai, parce que vous avez vu à la fièvre des encants à Historia, votre plus grand compétiteur, j'imagine. Mais on avait déjà des choses très intéressantes. Et je ne sais pas, il y a peut-être eu un manque de publicité, mais on n'avait pas la foule que ça prenait pour accoter ce qu'on présentait comme objet et comme antiquité et œuvre d'art. Mais maintenant qu'on a fait une bonne publicité pour ce coup-ci, je pense que ça va être intéressant. Et ce qu'on présente, évidemment, des antiquités, quelques-unes de haut niveau, je dirais. Toujours quelques petites affaires un peu bizarres pour Beau, là, un des trois antiquaires de la firme des Encans, mais sinon, des œuvres d'art intéressantes aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on a justement comme œuvre d'art ou comme particularité ou comme antiquité pour nous mettre l'eau à la bouche un peu? Bien, écoutez, une paire de chaises de l'île d'Orléans qui a toujours été au même endroit toute sa vie puis qui arrive sur le marché, c'est très intéressant. On en trouve de temps à autre. Moi, j'en ai vu à Eastman, au show d'Eastman. C'est une chaise tout seul, c'est une chaise tout seul, mais une paire, on dirait que ça donne plus de torque. Ça, c'est très intéressant comme pièce. Sinon, on a évidemment un collectionneur de cruches de grès fabriquées à Saint-Jean en 1880 qui a voulu faire un peu de ménage dans son overstock. Là, donc, il y a beaucoup de choses qui vont être en vente là, au point de vue des cruches joannaises. Ça tombe bien, qu'est-ce que tu veux, c'est ici à Saint-Jean. Et il y a plein d'autres articles intéressants aussi, des lampes, des chaises, des berçantes, un lot de bouteilles anciennes, etc. Comment on arrive à organiser tout cela, à répertorier, dans le fond, les objets qui sont mis en vente? On a un réseau de contacts, les gens se manifestent. Comment on organise ça? Vous savez, le domaine des antiquités et des arts, c'est un domaine relativement petit, je veux dire, pour les gens qui peuvent apporter des objets, qui en ont à vendre ou qui s'intéressent à ça. Là. C'est quand même pas la généralité de la population joannaise. Alors, il suffit des fois de quelques coups de téléphone et puis la patente est partie. Là. Notamment dans le domaine des antiquités, il y a eu, évidemment, ici, il y a une quinzaine d'années, il y avait pas mal d'antiquaires dans le coin. Il n'y avait pas juste mon ami de Sabrevoix, le géant, mais il y a les autres aussi, tu sais, qui sont rendus chez eux parce que maintenant, ils vendent par Internet ou d'autres façons, surtout en faisant les expositions ventes. Alors, ces gens-là ont du matériel. Alors, qui sont intéressés aussi à vendre à un moment donné. Tu sais, quand ta maison est pleine, il faut que tu slackes un peu, là. Comment on détermine ce qui est un objet de valeur et ce qui est un objet qui n'a pas de valeur? Parce que, je ne sais pas, moi, peut-être même chez moi, j'ai peut-être des trucs qui sont peut-être, qui pourraient avoir une certaine valeur puis que je ne sais même pas, peut-être, là, parce que je ne connais pas ça, je ne suis pas dans le domaine, etc. Comment on fait pour déterminer ça, la valeur d'un objet? Mais ça dépend si on parle d'antiquité, d'objets de plus de 100 ans ou si on parle d'objets de collection ou de création artistique plus récente. Okay? Alors, on va prendre Jean Cartier qui a fait de la céramique ici à Saint-Jean là, à partir des années 60 jusqu'à son décès, là, 85-95, je pense. Bien, lui, évidemment, c'est un des grands céramistes du Québec. Aussitôt qu'il y a une pièce qui sort signée Cartier en arrière, met la main dessus, ça presse en moutarde parce que ce sont des objets rares et hautement appréciés. Maintenant, les antiquités de plus de 100 ans, il faut que ça serve à quelque chose. Tu sais, une table ancienne puis une chaise, c'est pas dur à vendre, ça, parce que ça sert. Mais il y a des choses qui ont perdu leur vocation avec les années parce que c'est obsolète, ça marche plus. Ouais. Prenons par exemple une machine à laver avec le tordeur. Tu sais, le couvert est bombé. Oui. Tu peux même pas rien mettre là-dessus, même pas une lampe, rien. Ça sert à rien. Il y a des malades qui collectionnent ça, c'est correct, là, tu sais. Mais il faut être une grande grange en maudit. Sinon, tu sais, machine à coudre Singer, là, pas fort, ça, là. Si tu veux voir la machine, faut que tu lèves le couvert. Mais rien dessus. Donc, en permanence, c'est un meuble qui est là, qui ne sert pas. Jamais personne ne va coudre là-dessus à pédale. Tu sais, c'est pour ça que les gens sont toujours intrigués. Ah, mais il semble que ça se vend pas cher. Non, c'est parce que c'est pas recherché. Autrement dit, ce que j'en déduis, c'est que quand un truc ne sert qu'à être un bibelot dans un coin, ça perd de sa valeur. Par contre, si c'est fonctionnel et utile, notamment dans le mobilier, les meubles notamment, là, par contre, ça a une valeur ajoutée. Oui. Et c'est ce qui explique aussi la baisse dramatique
de tout ce qui est bibelot, justement. Tu sais, des bibelots qui viennent d'Allemagne, Hummel, d'autres qui viennent d'Angleterre, Royal Doulton, puis tout ça, là. Ça a pu la cote que ça a déjà eu parce que les gens, bon, t'as une belle pièce de collection, t'as mal là. C'est tout. Pas un son, t'entends les mouches, là. C'est tout. T'as rien à jaser de ça, là. C'est fabriqué en série en grand nombre à travers le monde. Donc, c'est pas... Quand t'arrives avec une pièce plus rare, bien là... Et là, pour l'encan du dimanche 18 octobre, oui. Au total, vous pensez avoir à peu près combien d'articles? Ah, c'est toujours un problème. On en a trop, encore une fois. Trop? Ah oui? Bon, oui, à tablette, oui. Là, on va avoir 250 lots, mais là, il faut le baisser un peu parce qu'il y a toujours des gens qui nous arrivent à la dernière minute avec des choses exceptionnelles qu'on ne peut pas refuser. T'sais. On risque d'avoir un beau pot à eau fait ici à 1880 à Saint-Jean, bleu, et qu'on attribue à Philippe Pointon, un des céramistes. Ça, on ne peut pas dire, bien, attends, au mois de mai, on va en faire un autre. Là, fait que ça veut dire que les châssis qu'on va vendre du musée, là, qu'on a récupérés parce qu'ils ont tout changé. Oui, ils ont changé la fenestration. Tout au complet. Mais ben là, les vieux châssis, on va les vendre. Mais ça ne sera pas un lot, un châssis. Ça va être un lot, cinq châssis. Donc, on va un petit peu compresser. T'sais. Bon. Là, les gens, quoi, les gens font don de leur bidule, puis après ça, évidemment, ça, vous les vendez, c'est un encan, puis les profits vont au musée. C'est un oui. peu ça, là, Oui, n'oubliez pas le reçu d'impôt à la fin, là. Pardon, là? Il y a un reçu d'impôt à la fin. Il y a un reçu d'impôt à la fin, oui. Si moi, je donne un paquet d'objets, puis ça se vend à 1500, bien, j'ai mon reçu d'impôt de 1500. Celui là. Qui a donné. Celui qui a donné, évidemment. Pas celui okay. qui achète. Parce que celui qui achète, il y a un bien en échange. Donc, il n'y a pas tout à de... fait. OK. Donc, celui qui, disons, je dis n'importe quoi, on a un mobilier, un truc, un meuble qui vaut 1000 $ mm-hmm. En fait, disons qu'il est vendu 1000 $ oui. à l'encan. Oui. Moi, comme étant la personne qui l'a donné, j'aurai un reçu d'impôt de 1000 $ Oui. C'est ça. C'est ça. Par l'entremise du musée. Parce que ça, c'est organisé par les amis du musée. Là, oui. Sauf que le 1000 $ va servir au musée, qui en a bien besoin. Ah, tablette, oui. Oui. Ne serait-ce que pour les différents locaux d'entreposage de la collection, là, il faut nipper ça un petit peu, là, tu sais. Bon, si d'une part, il y a des gens, évidemment, qui donnent leurs biens, mais il y a aussi de l'autre côté des collectionneurs ou des gens qui, je présume, fréquentent ou courent un peu ce genre d'événement-là. Il y a aussi des gens qui ciblent... Assurément. Assurément. Voyez-vous, à l'encan du mois de mai, il s'est vendu un petit morceau d'os d'un saint, OK, monté dans un crucifix, bien, avec le sceau du Vatican en arrière. Une pièce intéressante, là, saint, je ne sais pas qui, saint Jean-Vianney, je pense. Alors, lui, l'antiquaire qui connaît ça, l'a acheté à 175. La semaine d'après, il l'a vendu sur eBay, 700. Oui. Tu sais, quand tu connais la chose en question, tu sais ce que ça vaut. C'est pas gênant de monter un peu dans les prix, tu sais. Ma femme avait spoté une belle paire de lampes jaunes avec des bouts de bois en teck là-dessus. Vintage, 1960, quelque chose de beau. Elle dit, je vais monter. Ah, c'est allé à un moment donné, parce que ça a monté à 160, tu sais. Elle dit, hey, 80$ la lampe, c'était trop, tu sais. Mais celui qui l'a acheté, c'est un antiquaire, c'est un revendeur. Donc, ça vaut plus que ça, parce qu'il va le mettre dans son magasin. Il ne mettra pas ça à 160, le gars. Il va mettre ça à 200, 250. Okay. C'est la connaissance des objets qui fait que tu frappes et que tu l'as, comme chez les antiquaires. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, de collectionneurs, qui vont chez les antiquaires et qui achètent les erreurs. Tu sais, l'antiquaire connaît les meubles en pin, il est bien bon, puis tout ça. Et là, il va avoir un petit vase, donc il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Ça vaut 200, puis il est à 20 $ Ça, c'est intéressant à acheter, ça. T'sais, c'est toujours plus... valorisant. Quand tu sors chez un antiquaire, tu n'as pas l'impression de te faire avoir. Et là, la dernière fois que vous avez fait l'encan, c'était quoi, au printemps, c'était ça? Oui, au mois de mai. Au mois de mai. Vous avez fait combien à peu près? Vous avez vendu pour combien? 5 000. OK. Net. Au musée, 5 000 net. T'sais, parce qu'il y en a eu là-dedans des gens, évidemment, qui ont porté leurs biens, puis ils nous ont donné seulement un pourcentage du prix de vente. Là, mm-hmm. Mais ça se fait dans tous les encans, ça, de toute façon. On a fait 5 000. Bon, moi, je rêve toujours un peu qu'on essaie de se rapprocher du double, tu sais, mais ça sera peut-être pas possible, on ne sait pas trop. Un encan, c'est un encan. Hein? Donc, c'est ouvert au public? Est-ce que les gens oui. doivent s'inscrire quand même à l'avance? Il faut s'inscrire pour avoir un numéro, parce qu'on mise avec un numéro. Parce que le bonhomme, dans le fond, que je ne connais pas, moi qui ai le numéro 13, il est enregistré. Ce qui fait que tout ce qui va être acheté dans la journée, au numéro 13, on va le facturer à la fin. Il va se pointer, venir chercher ses choses, puis là, il va nous payer. Et pour vous, dans le fond, parce que selon la disposition des lieux, vous pouvez avoir à peu près combien de personnes dans la salle? Là, On peut facilement accoter le maximum permis, là, qui est autour de 125-150. Ah, quand même, oui, oui. Bien, au mois de mai, on était pas mal proche de ça aussi, là, tu sais. Il en manquait. Ça commence à quelle heure? Une heure et demie, l'encan. Mais oui. Les gens peuvent se pointer à 11 heures pour venir voir les objets. Pour voir les objets. C'est sûr que quand tu achètes quelque chose, si après ça tu reviens, tu dis... Le vase est craqué, je ne l'avais pas vu. Mais c'est parce que tu avais eu la chance okay. de voir. Donc, les objets seront visibles à compter de 11 h ouais. et le début de l'encan à 13 h 30.
Vous en avez pour quoi, une couple d'heures l'après-midi? Oui, 2h30, 3h, facilement, jusqu'en fin d'après-midi. Oui. Pour le dimanche 18 octobre, au musée du Haut-Richelieu, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec quoi, vous avez dit, plus de 200 objets? C'est pas plus que 250. Ça? 250. 250? Oui. Et des belles trouvailles. Ah oui, on est en voie de devenir un bon petit... Moi, je me sens un peu un imposteur là-dedans parce que à la firme des encans, tu sais, c'est les antiquaires, comme les encanteurs comme Gélineau, puis Rainville, puis tout ça, tu sais, moi, j'arrive là, puis je fais des encans. Mais les gens s'amusent, c'est ça qui compte. Il faut avoir du plaisir, c'est ça qui est la base du programme. Tout à fait. Donc, Mario Wilson, merci beaucoup. Bonne chance. Au plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dans le cadre de sa planification stratégique, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut consulter ses citoyens via un forum qui va se tenir le 21 octobre. Le nombre de places est limité, donc les inscriptions sont obligatoires. sjsr.ca/forum. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, rappel de la grille horaire. Également, vous dire qu'à tous les dimanches matins, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires pour acheter, vous livrer un peu partout sur le territoire. Pour connaître la liste, tvhr9.com. Voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées durant la semaine. Et vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. On est là demain. Bye-bye.